Des obsèques grandioses pour DJ Arafat. Les funérailles ont été fixées au 30 et 31 août. Des centaines de milliers de fans sont attendus pour lui rendre un dernier hommage au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, un stade d'une capacité de 35 000 places. Ce qu'il faut retenir de ces funérailles avec Célia Caracena. Le stade Houphouët-Boigny est rempli de fidèles ce jeudi pour un événement religieux. Le 30 août, ils seront des milliers à rendre hommage à DJ Arafat. La Côte d'Ivoire attend les obsèques de la star du coupé décalé depuis son décès le 12 août. DJ Arafat mérite ses obsèques au stade de Félix Houphouët-Boigny parce qu'il a été l'icône des Ivoiriens, de la jeunesse ivoirienne. Il a été l'icône aussi de la jeunesse africaine. Donc c'est normal qu'il mérite vraiment d'être célébré au stade le 30. Et je vais porter un pantalon bien déchiré avec un lequet et puis venir aux obsèques. Et puis bien pleurer. Et puis le 31, maintenant on va à Unionville pour l'enterrement. J'apprécie beaucoup Arafat parce que franchement il a porté la joie dans le cœur des Ivoiriens. Donc tout le monde a apprécié Arafat. Il mérite. C'est dans la joie. Même on a perdu, mais franchement, on sait qu'Arafat est toujours là. Un grand concert se tiendra en présence des Congolais Fally Ipupa et Kofi Olomide et des Nigérians Davido et Jay Martins. Des écrans aux abords du stade permettront de suivre la cérémonie. Le cercueil où repose DJ Arafat sera exposé au public avant l'enterrement qui se déroulera le samedi 31 août. La présentation des condoléances à la résidence de l'artiste a été prolongée pour permettre aux membres du gouvernement de rentrer de vacances. DJ Arafat, ange Didier Ouon de son vrai nom, est décédé après un accident de moto. Des milliers de personnes s'étaient alors rassemblées à Abidjan pour lui rendre hommage. Véritable icône de la musique ivoirienne, il avait vendu des milliers d'albums. Et sa notoriété dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire.